Allez, c'est parti. Ouh là là, là j'ai l'impression Grégoire Marmont, là là, c'est bon ça. Johan Nigon a fait une petite erreur au démarrage, j'ai l'impression. C'est Grégoire Martinez qui est en tête. Ah, c'est, il a fait le watch-up. Ouais, Grégoire Martinez. Allez, Grégoire... Eh non, c'est Romain qui passe, il est deux. Et Vivien Gonnet, trois, attention, Grégoire, qui échappe un peu l'arrière, il est trois. Alors, et la moto électrique, elle est où? Eh bien, écoute, je crois qu'elle est 6 ou 7. Ouais, 6 ou 7. Ouais, attends, j'ai... Allez, donc, Romain Gioffre, ben là, il va y avoir du spectacle, allez, il faut les encourager, s'il vous plaît. Ah oui, là, ça va... Là, ça va être chaud, là. Alors, il est déjà derrière, hein, allez. Romain Gioffre, en tête... Vivien Gonnet, deuxième, et Grégoire Martinez, troisième. Quelle perte de Grégoire Martinez! Il ne roule pas de l'année, Grégoire Martinez, il est en train de se battre avec eux. Attention là! Oh, le freinage! C'est bon, c'est passé. Toujours Romain Gioffre devant. Oh, les étincelles, c'est magnifique. Alors, là, c'est là où j'ai peur. Ah, c'est bon là. Là, c'est bon. Le freinage, tu vois pas le virage. Bien sûr, bah oui, avec la compression. C'est une tuerie. Allez, il ferme bien la porte là, Romain Gioffre, on peut rien faire. Les trois toujours en tête. Et allez, il y a un dixième d'écart entre Romain Gioffre. D'habitude, c'est une seconde. Ouais. Là, il y a un dixième d'écart entre Romain Gioffre en tête, ouais. Et Vivien Gonnet à la deuxième place. Et il est en train de prendre un peu d'avance dans la descente. Oui, les deux là, ils sont plus vite, hein, ouais, que Grégoire Martinez. Mais bon, Grégoire Martinez, allez, deux places de troisième pour Allez, il va tenter à l'extérieur. Allez, avec la motricité. Non. Oh, c'est bon, oh, ça. Allez, Romain. Attention, ne pas être dans la puff. Allez, Romain. Intérieur, il va passer. Il est passé. Oh là là, mais c'est pas possible. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît, allez. Il est passé, Vivien Gonnet. Romain. Il a ouvert la porte. Allez, il va replonger, là, il va se décroiser. Allez, il va recouper. Il va décroiser. Allez, Romain, il décroise. Non. Ah, la petite bosse l'a gêné, là. Ouais, c'est chaud, là. Ah, oula, il va taper externe, là, avec la roue arrière. Là, c'est pas bon du tout. Magnifique spectacle, là, les deux, là. Quelques dixièmes qui s'envolent après le petit choc de la roue arrière de Romain Gioffre à l'extérieur. Et Vivien Gonnet qui en profite pour prendre un petit peu d'avance. Et lorsqu'ils vont passer sur la ligne de chrono, on va s'apercevoir qu'avec un dixième de retard tout à l'heure, il aura une demi-seconde d'avance. Ouais. C'est, me semble-t-il, Rudy Coton qui était arrêté. Jonathan Mangarni, encore sixième avec l'électrique. Il vient de passer Johan Nigon qui a fini troisième quand même tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Il y a une seconde. Il y a une seconde maintenant entre. Il y a même plus, regarde. Ouais. Il est en train de s'échapper là, le maillot jaune, non pas du Tour de France, mais de la MV Cup. Vivien Gonnet qui est en train de nouvelle fois, alors qu'on a un freinage terrible là. Avec une nouvelle sur Grégoire Martinez. Et ça va peut-être passer. Oh, magnifique là. Ah, la TM avec les jantes bleues là, c'était magnifique. Et là, c'est la troisième place du général qui joue là. Eh oui, et Grégoire Martinez, il a réussi à tenir Noël Duvert. Allez, Noël. Attends, on va suivre la bagarre, c'est génial. Le freinage à l'épingle du vin. Allez, Noël Duvert, Grégoire Martinez. Blocage de roue un peu, il ferme bien la porte, ça va être compliqué. Et la KTM qui motrice un petit peu mieux que la TM, j'ai l'impression. La moto préparée par Fred Fisch, magnifique. Fred, ouais. Un autre sorcier. Ah oui, encore un. On en a quelques-uns, par contre, là, les quatre, ils sont au-dessus. Ça fait peur, Qu'est-ce qu'il dit? Allez, il va décroiser, là, ou pas? Attention à la petite bosse, non, ce coup-ci, il n'y met pas les roues. Allez, Noël, allez. Ah, punaise, ça chasse beaucoup pour Grégoire Martinez, là, avant de retrouver la motricité dans la descente. Ils sont tous les... Ah, la bagarre est super devant, ils sont tellement loin qu'on les a laissés filer. Et ensuite, cette belle bagarre entre Noël Duvert, la TM numéro 6, et la KTM de Grégoire Martinez, le 29. Allez, s'il ferme les portes, ça va être dur de passer pour Noël, mais il va rien lâcher, Noël, hein. Allez, on est dans le dernier tour et Vivien Gonnet est toujours en tête avec 2 secondes d'avance sur Romain Gioffre. Et derrière, on a la bagarre entre Grégoire Martinez et Noël Duvert. Ouais. Hugo Roche à la cinquième pièce. Nigon, sixième. Mangarni, septième. Ah, il passe. Allez. Il va passer, Duvert. Allez, Noël. Il a pris tous les risques. Ah, le freinage. Ouh. Non. Il garde la corde. Peut-être qu'il va décroiser. Allez. Est à côté. Là, il va décroiser. Il va réaccélérer plus vite. Non, ça passe pas. Ah, ça glisse plus. Hein, Noël Duvert, ça glisse hein, derrière. Hein. Et on va voir l'arrivée dans quelques instants de Vivien Gonnet. Noël, il va nous en faire une au freinage, regarde bien. Ouais, maintenant on attend Vivien Gonnet, on va saluer le vainqueur quand même. Le voilà Vivien Gonnet qui va empocher une 22e victoire. Ouais. Voilà, c'est fait. 22e victoire pour Vivien Gonnet. Allez, Grégoire Martinez. Oui, ça tient. Romain Gioffre, deuxième. Grégoire Martinez, troisième. Noël Duvert, quatrième. Ouais. On devra voir ensuite Hugo Roche à la cinquième place, normalement. Nigon. Mais là, il y avait beaucoup d'écart. Hein. Nigon, Pierre Moine. Attends, Hugo Roche, on va attendre qu'il soit passé. Ouais. Allez, c'est bon. Johan Nigon, Pierre Moine, Jonathan Mangarni, huitième. Parseillan, 9. Malige, 10. Vanchamp, 11. Véronèse, 12e, Brancy 13, Dardaillon 14, le jeune Mangarni qui gagne encore une place, 15e. Rudy Coton, Pidou et Pellegrin. Rudy Coton 16, Sébastien Pidou et Rudy Pellegrin.